qui date, dont on a des traces dès le VIe siècle et qui a de grandes chances d'avoir été composée par saint Remi, hein, la prière des Francs. Alors, je vous ai distribué une petite image au dos duquel vous avez la fameuse prière des Francs que je vous conseille de réciter chaque jour à votre prière du matin et prière du soir, parce que tous mes amis qui récitent ces prières depuis nombreuses années ont vu les grâces qui sont liées dans cette demande qui est essentielle pour sauver la France, hein, et la civilisation. Parce que je vais essayer de vous montrer une chose que vous n'avez peut-être pas bien perçue, puisqu'on en parle très très peu. La vocation et la mission de la France, c'est la France qui a mis en place la vérité socialisée. Et donc actuellement, tout le système, c'est l'erreur socialisée pour détruire la civilisation chrétienne. Et donc nous allons d'abord prier donc cette fameuse prière des Francs. Dieu Tout-Puissant, Éternel, qui pour servir d'instrument à votre divine volonté dans le monde et pour le triomphe et la défense de votre sainte Église, avez établi l'Empire des Francs, éclairez toujours et partout leurs fils de vos divines lumières, afin qu'ils voient ce qu'ils doivent faire pour établir votre règne dans le monde, et que persévérant dans la charité et dans la force, ils réalisent ce qu'ils auront vu devoir faire, par notre Seigneur Jésus-Christ, roi de France, ainsi soit-il. Cette prière est disponible aux éditions Saint-Rémy, hein. Vous pouvez la commander et la distribuer autour de vous. Un tout petit détail, j'ai mis en vente ici un certain nombre de livres. Ce sont des livres qu'un prêtre vend parce qu'il a besoin d'argent. C'est donc une œuvre. Il vend donc tout le catéchisme. Vouloir humaniser cette histoire, c'est donc perdre son temps, et faire des systèmes pour l'expliquer est aussi inutile que téméraire. Ni l'homme, ni la société, ni l'histoire ne sont explicables en dehors de l'idée chrétienne. Et si la providence n'est pas un mot, si l'incarnation n'est pas un mythe, si l'ordre surnaturel n'est pas une rêverie, si l'éternité n'est pas un mirage, ce vaste ensemble de la vie de l'humanité que l'histoire a la prétention de présenter aux esprits a un sens, une portée, une loi, une direction. Il ne se peut pas qu'il n'y ait là autre chose que des faits et des dates, un peu un pur spectacle, et que l'humanité, au cours de sa longue vie, n'ait rien à faire, rien à obtenir. Je vais donc, tenu par le temps, être obligé d'aller à l'essentiel, et je vais faire cet exposé en 5 parties, donc certaines très courtes, pour montrer donc que l'histoire est divine. Premièrement, un court résumé de l'histoire de la vie des anges, car il y a des leçons importantes à en tirer, et il y a tout un enseignement de Dieu à travers donc cette création des anges. Deuxièmement, quelques réflexions sur la création, ses lois intangibles, et là encore, ce que Dieu nous enseigne dans ces quelques jours de création. Troisièmement, le Christ, unique centre de l'histoire du monde, tout tourne autour de lui, avant le Christ, pendant sa vie sur terre et après son incarnation par son Église. Quatrièmement, la vocation et la mission de la France. Ce n'est pas du chauvinisme. C'est simplement donc savoir comment les choses se sont passées. Les choses se sont passées en France. Je n'y peux rien, c'est un fait. Bien. Et donc, en France, s'est créée la vérité socialisée. Ce qui explique la mission et la vocation de la France qui n'est pas finie. Et donc, cinquième partie, quelques leçons à tirer pour un avenir proche. Je ne rentrerai pas dans le grand débat que représente le problème de l'Église conciliaire. Il est trop tôt pour faire ce débat, il se fera un jour. Il est très important, mais ce n'est pas l'objet de ma conférence, hein, et je n'en parlerai pas. Première partie, la création des anges. Cette partie mériterait elle seule une conférence. Résumons. Tout tourne autour d'une créature qui aura une mission toute spéciale, la très sainte Vierge Marie. Le problème des anges est lié au problème de la très sainte Vierge Marie. Toutes les créatures sont nées pour la gloire de Dieu, pour le contempler et l'adorer. Pour le mériter, toute créature est éprouvée, car il n'y a que dans l'épreuve que l'on prouve son amour. Cette épreuve des anges fut simple et terrible. Dieu leur annonça qu'il créerait d'autres créatures, les hommes, et que ces hommes pécheraient. Les anges qui vivaient en présence de Dieu ne pouvaient comprendre le péché
qui n'est que préférer la créature au créateur. Quel scandale pour eux! Mais de plus, la seconde personne de la très sainte Trinité serait obligée, pour racheter ce péché, de s'incarner dans cette créature humaine et de mourir. Dieu mourir. C'est vraiment incompréhensible. Ont-ils eu des visions de la passion, de cette passion, scandale pour les juifs et folie pour les gentils? Alors pour les anges, essayez de méditer un petit peu ce que devait être pour les anges cette vision de la passion et cette mort sur une croix. Et ce n'était pas tout. Dieu, pour s'incarner, naîtrait d'une de ces créatures scandaleuses, et pire, cette mère de Dieu deviendrait reine des anges. Ce fut trop. Un tiers des anges, emmenés par Lucifer, l'actuel roi des anges, tomba dans le péché, préféra sa volonté propre à la volonté de Dieu, et à ce moment-là, ils tombèrent dans le péché. Aussitôt, d'autres anges, deux tiers des anges contre un tiers des anges, se levèrent contre ces ingrats. Le premier péché de Lucifer, c'est l'ingratitude. Le deuxième, c'est l'orgueil. Le troisième, c'est la désobéissance. Et une colossale bataille se fit dans le ciel, avec un chef dont le nom fut un cri, qui est comme Dieu, quis ut Deus, Michael. Qui êtes-vous, créature misérable, à juger votre Dieu, à lui refuser l'acte d'adoration et d'amour suprême qui est de se soumettre à sa sainte volonté? Les anges révoltés furent précipités en enfer. Il y a des leçons à tirer de ce fait historique. Premièrement, Dieu est le maître de tout. Deuxièmement, à lui seul, adoration, obéissance, gratitude, amour. Si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements. Troisièmement, à cet instant, la création va se diviser en deux camps irréconciliables et où on est ou dans l'un ou dans l'autre. Il n'y a pas de troisième camp. Où on est dans le camp de la vérité ou on est dans le camp du mensonge. Troisièmement, ces anges déçus deviennent nos ennemis. Ils haïssent toute personne qui méritera d'être élue. Parce que la fin du monde arrivera lorsque le nombre d'anges déchus aura été remplacé par le nombre d'élus. Cinquièmement, ces anges prévaricateurs sont redoutables. Homicides, menteurs, enténébrés, révoltés, doubles. Gog, qui veut dire rusé, Magog, qui veut dire tueur. Ils ont les deux fonctions tout le temps. Le mensonge, la ruse, pour finir par la mort, ils sont homicides. Sans repentance possible, en enfer, c'est toujours, jamais, une éternité d'enfer. Sixièmement, plus fort que nous dans l'ordre de la nature, on ne peut leur résister qu'en étant en étroite communion avec celle qui seule est capable de leur résister, la très sainte Vierge Marie. Et là, il y a une vocation particulière de la France. Ce n'est pas pour rien que que le pape Eugène IV a dit « Regnum Galigné, Regnum Marié ». En France, il y avait 600 000 édifices religieux avant les guerres de religion et la Révolution française. Dans ces 600 000 édifices religieux, il y avait des statues de la très sainte Vierge Marie et il y avait des tableaux de la très sainte Vierge Marie. La France est la nation la plus dévote de la Vierge Marie et la Vierge nous est reconnaissante puisque c'est là qu'il y a eu les plus grandes apparitions donc de la très sainte Vierge Marie pour le monde entier. Et l'apparition de Fatima a eu lieu à Fatima parce que l'évêque de Tilly a refusé l'apparition de Tilly qui était le message de Fatima et qui était une importance considérable. Bon, tout ça c'est oublié maintenant, etc. Bien. Mais faut-il être encore dans la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie? Et notre génération a besoin de réétudier régulièrement le traité de la vraie dévotion enseigné par saint Louis-Marie, qui commence par expliquer les sept fausses dévotions. Et beaucoup de gens sont dans les sept fausses dévotions, ça mériterait une conférence. Toute cette histoire donc montre que tout n'est que divin une fois de plus. J'arrête sur les anges, il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire. Deuxième partie, la création. La création n'est que divine. Et la création est une histoire, avec des temps et avec une logique. S'enchaînent les six jours de la création, qui sont d'une logique extraordinaire. Et nous allons voir pourquoi. La première, le jour, c'est la lumière qui ne vient pas des astres.
La deuxième, le firmament. Le troisième jour, la terre, les plantes et la mer. Le quatrième jour, les astres, l'astre de la nuit et l'astre du jour. Le cinquième jour, les poissons et les oiseaux. Le sixième jour, les quadrupèdes et Adam. Le septième jour, le repos de Dieu, parce qu'il vit que tout cela était bon et tout était terminé. Il n'a pas jamais construit, donc, depuis recréé quelque chose. Tout a été fini lors de la création, donc, dans ces sept jours. Le septième jour, Ève, la chute, l'expulsion. Dieu créa un homme éminent. Et là, nous venons de sortir avec Bruno Saglio, donc des éditions Saint-Rémy, un livre que je vous conseille fortement, mais je ne l'ai pas encore diffusé. Il vient de sortir cette semaine, hein. J'ai le premier exemplaire. Parce que je veux que Dominique fasse quand même l'inventaire de ce qui est dit au niveau scientifique dedans et donne son équilibstat. Hein. Bien. C'est fait par un prêtre, l'abbé Burke, un jeune prêtre canadien, en 1876, le premier et le plus profond des savants, Adam, notre premier père. Vous avez donc toute une réflexion théologique en première partie et en troisième partie par ce prêtre qui est absolument remarquable sur donc qui était Adam, le plus profond et le premier des savants. Après, en deuxième partie, donc, il y a une exposition, bien sûr, contre l'évolution, contre tout ça, c'est fausse science, et donc il parle de quantité de choses qui sont très intéressantes. Bon, un livre à connaître, à diffuser, hein, et à étudier. Pour cet homme, donc, pour cet homme, Adam, créé à l'image de Dieu, ne jamais oublier, hein, Dieu créa la terre et les cieux. Quelle merveille que cette création, à tel point que saint Paul, mais Dominique en a parlé tout hier dans sa conférence, hein, recitant l'épître aux Romains au chapitre 1, versets 18-23, les 15 donc versets qui racontent, qui enseigne que la colère de Dieu éclate du haut du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui, par leur injustice, retiennent la vérité captive. Car ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste par eux, etc., etc. Donc, Dominique a rappelé. Bien. Et la sanction terrible de ceux qui ne reconnaissent pas ça, sanction que nous voyons donc se développer depuis une vingtaine d'années, ce qui n'existait pas il y a 20 ans, hein, c'est que le bon Dieu les abandonne, hein, les lâche, dans le péché de sodomie. C'est-à-dire que toute personne qui fait le péché contre le Saint-Esprit, vous savez qu'il y a donc six péchés que Dieu ne peut pas pardonner. C'est ce qu'on appelle les péchés contre le Saint-Esprit. Bon, le premier péché contre le Saint-Esprit, c'est aller contre la vérité connue. C'est un péché irrémissible. C'est dans saint Matthieu, chapitre 25, etc. Bien, bon. Eh bien, ce péché contre le Saint-Esprit engendre le péché contre nature. Et donc, toute personne qui va contre les lois de Dieu, la vérité de Dieu, dans quelque domaine que ce soit, le bon Dieu l'abandonne donc à ce péché contre nature. Et là, actuellement, donc, c'est une débauche. Et donc, cette débauche commence par quelques personnes qui se cachent, puis quelques personnes qui osent, et puis on en est maintenant à une génération qui donc vit dans ce péché-là. Il doit y avoir des désirs que je ne connais pas, mais qui doivent être tels que toute personne qui a touché à ça ne peut plus revenir en arrière. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Dans ce péché contre nature, vous devinez donc les actes qui s'y posent, quoi. C'est absolument un péché lié à quelque chose de satanique. La personne qui fait ça, surtout si c'est un prêtre, et Dieu sait, donc, petit détail, quoi, parenthèse que je veux quand même bien dire, il est paru dans le Figaro il y a deux ans, l'été il y a deux ans, un compte-rendu d'un travail fait par les Américains, 20 000 pages de dossier, 50 tomes de 400 pages. Bien, sur tous les péchés contre nature dans tous les diocèses du monde. Ce qui a fait dire donc à ces gens-là, on peut vendre tous les biens de l'Église sur la planète, hein, on ne pourra pas tout payer. Bien, donc quelque chose qui n'existe qu'à exister à toute époque. Il y a toujours eu, etc. Mais caché, il y avait très peu, etc. Maintenant, c'est répandu partout. Dieu, c'est un péché où Dieu se réserve la justice lui-même. Alors, trois fois donc, il y aura le terme « il les livre au péché contre nature ». Adam fut donc créé dans ce jardin d'Éden pour en être le pontife et le roi. Car Adam, fait à l'image de Dieu à sa ressemblance, était le roi de l'univers. Né pour aimer, il vivait dans le bonheur.
Soulignons quelques vérités malheureusement pas assez étudiées et mises en valeur sur toute cette création. Premièrement, tout ce qui est créé est instantané. Dieu dit et c'est fait. Il ne met pas des années à construire le soleil. Il ne met pas des années à construire la vache. Quand il construit la vache, il faut qu'elle mange le soir même. Quand il crée la baleine, il faut qu'elle mange le soir même. Quand il crée la sardine, il faut qu'elle mange le soir même. Ce qui fait que beaucoup de pères de l'Église ont dit que toute la création des êtres s'est faite en une journée. Bon, là je laisse aux scientifiques travailler sur la question. Quand il crée les mathématiques, bon, j'étais jadis dans ma vie prof de maths en première et seconde au Sahara, à Tougourt, et alors j'avais des élèves donc qui étaient arabes et qui étaient très religieux. Ils ont quelque chose, quoi. C'est une religion tellement frelatée, quoi, etc. Tout. Et quand je les prenais en seconde, je leur demandais, donc, est-ce que vous aimez les maths? Bien sûr, les trois quarts disaient surtout pas. Et au bout de 3 mois, ils aimaient tous les maths. Mais je leur disais d'abord que les maths sont la plus grande preuve de l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que les maths doivent être construits en un instant. Sans ça, rien fonctionne. On découvrira avec le temps le chiffre zéro, le chiffre pi. On découvrira du créé. On ne créera pas le chiffre zéro, on ne créera pas le chiffre pi. Et donc ce monde extraordinaire, quoi, n'a pu être créé que par un Dieu, puisqu'on n'a pas encore épuisé. Alors quand je lisais l'autre jour que dans l'Académie pontificale des sciences, il y a un mathématicien athée, mais j'aimerais le rencontrer pour lui poser une question, et répondez-moi, monsieur, qui a créé les mathématiques? Répondez-moi. Et j'ai coincé plusieurs fois donc un certain nombre de personnes athées en disant, mais dites-moi, on s'en sert tout le temps. On les regarde l'heure toutes les 3 minutes à notre montre. On passe notre vie avec les chiffres, hein, et les nombres. Qui a créé tout ça? C'est le hasard? Mais enfin, avec une logique, des lois gigantesques pour faire fonctionner tout le système. Et vous ne voyez pas que seul un Dieu peut le faire, etc. Alors, cette création est instantanée. Elle est définitive. Il n'y a jamais de changement intérieur. Les mathématiques sont les mêmes depuis 2000 ans, depuis 500 ans, dans 500 ans, à Honolulu, à New York, à Moscou. C'est définitif. Tout ce que Dieu crée est instantané et définitif. L'histoire de la langue primitive. Bon, alors c'est sûr que là, il y a des discussions passionnantes, quoi, mais il y avait la langue adamique, donc terminée. Après, il y a eu donc la confusion de Babel et toutes les langues. Mais toutes les langues ont les mêmes structures. Il y a un alphabet très court, 26 lettres. Pour gérer tous les mots, ces énormes dictionnaires, etc. Qui a créé cet alphabet? Qui a créé ces lois grammaticales qui font fonctionner une langue dans tel et tel pays différente? Et tout le monde a une grammaire, sauf j'ai appris hier qu'une certaine langue n'en a pas, comme le copte. Hein. Eh bien, bon. Et donc, il y a un dictionnaire, il y a des conjugaisons, etc. Et c'est définitif. Je suis toujours en admiration quand je vois un de mes neveux et nièces, à l'âge de 3 ans, parler comme un adulte, mais sans même savoir ce que c'est qu'une lettre. Sans se tromper sur les pluriels, sans se tromper sur les conjugaisons. Mais comment ça marche dans un cerveau pareil? À 3 ans, alors que nous ne pouvons pas comprendre le parler sans des lettres, sans des mots, sans etc. Ça, c'est la création de Dieu. Bien. Elle a des lois très contraignantes, cette création. Qu'on ne peut pas éviter, on ne peut échapper à aucune loi de la physique. On ne peut échapper à aucune loi de la chimie. Et puis on est obligé de s'y soumettre, et donc de bien voir les conséquences des lois mises par Dieu en place. Et tout le monde est obligé de s'y soumettre. Elle est universelle, cette création. C'est la même quel que soit l'endroit de la Terre. Hein. Exemple, les lois de la musique. Ce sont les mêmes lois partout. Elles sont définitives. Hein. On recréa à partir de ça des quantités de choses, mais des 7 notes de musique, on n'a jamais trouvé une 8e note. N'oublions pas que le savant qui découvre un élément de cette création découvre du créé, il ne crée pas, il devient d'ailleurs un intime de Dieu, lui qui a découvert sur un point inconnu quelque chose. Et la première chose que tout savant qui découvre devrait être une prière d'adoration et de remerciement, quoi, en face de ce Dieu qui a créé. C'est pas lui le savant qui a créé. Elle est faite par amour, cette création. Elle est faite pour la gloire de Dieu et pour le service de l'homme. Et donc, c'est le péché qui a détruit donc un certain nombre de choses, mais elle est faite par amour. Et donc, toute personne qui sait contempler la création, qu'est-ce que vous voulez, quand vous voyez donc un lys, on a l'admiration devant un lys. Qui peut créer un lys, etc.
Elle doit être rendue, elle doit être contemplée pour rendre au Créateur l'hommage qui lui est dû. Une petite anecdote cet été avec une petite nièce qui a 8 ans, qui aime beaucoup le beurre. Et je lui disais, mais d'où ça vient le beurre ? Bah, du lait. Mais le lait, d'où ça vient ? Bah, de la vache. Et la vache, comment elle fait le lait ? La vache, elle mange de l'herbe, il sort du lait. Mais il fait une énorme usine entre manger de l'herbe et faire du lait. Et du lait qui soit bon et plein de vitamines, etc., de protéines, je ne sais pas quoi, et tout, et tout. Il faut une énorme usine. Qui peut créer la vache en dehors d'un dieu ? Et je lui dis, alors qui a créé la vache ? Elle dit, bah, c'est le bon Dieu. Ouvrons les yeux, sachons contempler, sachons regarder. Hein. Et la vache, elle aussi, a été créée en un instant, parce que le jour même qu'elle a été créée, il fallait qu'elle mange. Et l'herbe était créée, etc. Bien. Que le séjour au paradis terrestre devait être beau et bon. Une question m'a toujours laissé perplexe, parce que j'aime bien poser des questions, etc. Pourquoi Dieu a arrêté la création ? Il continuerait, là, par exemple, à nous sortir quelques nouveaux animaux, quoi, des choses extraordinaires et tout. Non. Parce que quand il a tout créé, il a dit une phrase, et il vit que cela était bon. Et quand tout est bon, c'est fini. Comme on a fait une œuvre, je ne sais pas, les gens qui ont écrit savent qu'à un moment, c'est fini, c'est bien, on arrête. On a dit ce qu'il fallait dire, voilà. Eh bien, tout dans cette partie donc, de l'histoire de l'humanité qui est la création, prouve la divinité, l'histoire de la création est divine. À la minute où le triomphe lui était assuré, malheureusement, après la tentation, ce fut la chute et la déchéance. Il va maintenant falloir combattre et mourir pour mériter le ciel. Heureusement, Dieu, dans son infinie bonté, vous savez que le péché des anges a été sans rémission, immédiate à sanction. Parce que les anges avaient la présence de Dieu devant eux. Et donc, c'était un péché impossible à excuser. L'homme, lui, est né donc avec une nature faible et Dieu va le racheter. Dieu promet un médiateur qui nous sauvera. De la femme naîtra un fils qui écrasera la tête du serpent. Voilà la grande promesse. Il faudra attendre 4000 ans. Une seconde promesse sera faite à Abraham. C'est de sa race que naîtra le Messie. Une troisième nous précisera que ça passera par Isaac, une quatrième par Jacob, une cinquième par Judas, et enfin une sixième par David. Et après 4000 ans, traversant de multiples épopées, naît ce Sauveur, ce Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois en 4000 ans l'ennemi, l'adversaire, Satan, essayera de détruire le plan de Dieu ? Je ne citerai qu'un exemple parce qu'il va être pour nous très marquant. C'est l'histoire de Sennacherib. Bon, vous avez ça dans une brochure qui est disponible, hein, qui s'appelle « Le dénouement de la persécution » par l'abbé Lehmann, une petite brochure toute simple qui raconte le problème de Sennacherib. Sennacherib est l'antéchrist de l'Ancien Testament et donc a voulu détruire les promesses davidiques et les promesses donc de la rédemption. L'abbé Lehmann explique comment il fait ça en quatre temps. Je vous reporte à la brochure. Bien. Et au moment où il a tout gagné, à ce moment-là, Dieu intervient. Bien. Pourquoi ? Parce qu'un sauveur vient sauver quand tout est perdu. Deuxième point, c'est parce qu'il veut laisser à Satan l'impression d'avoir tout gagné et de que son plan, donc, était à peu près sûr. Mais c'est lui quand même qui est le Tout-Puissant. L'abbé Lehmann explique, ça va être exactement la même chose, c'est écrit donc en 1865, et il explique que c'est la même chose qui va se passer actuellement. On va voir en quatre phases la volonté de détruire l'Église. Bien, il explique tous les détails. Et il dit, le bon Dieu interviendra quand et comment. Il interviendra au dernier moment, comme sous Sennacherib. Le jour, la veille de remporter la victoire aux portes de Jérusalem, l'ange exterminateur est passé et les 185 000 hommes de Sennacherib ont été tués pendant la nuit. Sennacherib, le lendemain, en se levant, a parcouru tout le camp, allant de tente en tente, voyant que des morts. Quand il est arrivé à la fin donc, du campement, aux extrémités, quoi, sorti du campement, il était devenu fou. Il y a de quoi. C'était fini. Jérusalem était sauvée. Ici, nous allons vivre des choses horribles. Nous allons vivre certainement les mêmes choses que la Passion. L'Église va passer dans les mêmes
donc âfre, dans les mêmes persécutions, dans la chose la plus terrible, où notre foi va être mise à l'épreuve terriblement. Et le bon Dieu n'interviendra qu'à la dernière minute. C'est ce que dit l'abbé Lehmann. Je vous reporte à ce document. Bien. Oui, que de miracles pendant ces 4000 ans d'histoire sainte. Le miracle de Noé, le miracle de Hébert, le père, donc le seul, quoi, donc, dont la langue n'a pas été changée, hein, et donc le fils Hébert, qui donc à la tour de Babel, hein, toutes les langues, lui seul, est protégé. Bien. Le miracle d'Abraham, le miracle de Jacob, le miracle de Joseph, le miracle de Job, le miracle de Moïse, le miracle de la traversée de la mer Rouge, le miracle de la manne, le miracle de Josué, le miracle de Gédéon, le miracle de Samson, Samuel, le miracle de David, le miracle d'Élie, d'Élisée, de Hénoc, de Isaïe, de Tobie, de Judith, des prophètes, de Daniel, d'Esther, de Judas, du Maccabée, hein, etc., de Anne et Joachim. Tout ça, ce sont des miracles. Voilà l'histoire de l'Ancien Testament. Tout ce qui est de Dieu est lié au miracle. Et nous en parlerons pour la France. Que sont ces grands noms à côté de ceux de la Grèce antique, de l'Égypte, de la Perse, etc., comparés à donc ces saints de l'histoire sainte? Ils sont très peu nombreux dans les petits polandistes de Mgr Guérin. Sur l'Ancien Testament, donc vous avez siècle par siècle la liste des saints de toute l'histoire de l'Église. Ça fait à peu près 33 pages. Vous avez une seule page pour les saints de l'Ancien Testament, 55 noms. D'autres, bien sûr, ont mérité le ciel, mais qui sont donc des exemples et des références à, qui nous sont présentés par Dieu. Et oui, eh bien, ces 4000 ans montrèrent que l'histoire tourne autour des choses de Dieu. Troisième partie, et alors arrive le chef-d'œuvre de la création, et arrivent les temps où Dieu va s'incarner. Et là rentre le rôle extraordinaire de la très sainte Vierge Marie. Nous sommes dans un pays qui aime la Sainte Vierge Marie. Nos mères nous ont appris l'amour de la Sainte Vierge Marie. Ayez chez vous des statues de la Sainte Vierge Marie. Moi, à chaque mariage où je suis invité, j'offre une statue de la Vierge Marie. Ah, tout le monde oublie toujours ça et les jeunes époux sont toujours très contents. Je choisis des choses qui sont assez jolies, etc. Et c'est une très bonne idée à transmettre, hein, etc. Bien, la pleine de grâce, cette jeune fille qui avait 14 ans le jour de l'Annonciation. Il nous faudra une éternité pour contempler la Vierge Marie. Bon, elle va être présente dans toute l'histoire de l'Église. Elle va être présente dans toute l'histoire de France. Elle va être présente, quoi, mais dans nos... C'est là la différence. Quand je vois un protestant et qui n'aime pas la Vierge Marie, je me dis, on est allé en Angleterre fouiller, donc, en Écosse, jusqu'au nord de l'Angleterre, quoi, chercher un document de Jeanne d'Arc, etc., et tout, et vous traversez tout ce pays sans une statue de la Sainte Vierge. Ils sont fous, ces Anglais. Ils sont tous pédés. Hein. Bon, c'est, je ne sais plus, Cresson qui racontait ça. Oui. Bon. Et c'est là. Et oui, et voilà la pleine de grâce, la très sainte Vierge Marie, la future épouse du Saint-Esprit. Épouse du Saint-Esprit. La future Mère de Dieu, la future Reine des Anges, celle qui écrasera le serpent. Née notre Reine dans la plus profonde humilité. 15 ans après, ce sera son fiat, ce fiat qui nous sauve. Elle sait le prix de ce fiat, mais elle nous aime et elle nous aime à travers Dieu. On sait, nous aussi, le prix de ce fiat. Aimons-la. Mais aimons-la et soyons dans la vraie dévotion à Sainte. Reprenez le traité de la vraie dévotion. Il n'y a qu'au ciel que l'on pourra comprendre Marie. Encore faut-il mériter d'aller au ciel. Et nous ne pourrons aller au ciel que dans la vraie dévotion. Sa conception immaculée, l'amour infini qu'elle avait envers Dieu lui procura la grâce la plus importante de toute l'histoire, dire fiat. Elle savait ce que ça coûtait. Désormais, nous serons sauvés. Après ce fiat, la très sainte Vierge mit au monde le Dieu incarné. Sachons méditer à chaque nuit de Noël, c'est ma grande méditation. Je vous fais part de... vous faites ce que vous voulez, quoi. Je passe ma nuit de Noël dans la Sainte Messe à contempler le premier regard de Marie à Dieu, à son Fils incarné. Son Fils qui lui vient directement dans les bras. Ah, il n'est pas encore enveloppé de l'ange. Et la très sainte Vierge Marie le regarde. Pensons à ce que peut être le regard de la Sainte Vierge Marie sur ce Dieu et la réponse de l'enfant Jésus. Que devait être beau l'enfant Jésus, l'enfant d'une digne mère. Eh oui. Pendant 30 ans, elle eut pour elle seule ce Jésus sauveur.
Ces 30 ans la préparèrent à cette vie publique et à ces 3 jours de la Passion. Cette vie publique mélange d'amour et de haine dans un enseignement d'amour contre ceux qui haïssent la vérité. 30 ans de miracles, car Jésus, pour prouver sa divinité, non, 3 ans de miracles de la vie active, car Jésus, pour prouver sa divinité, fit tant de miracles que l'apôtre Saint Jean ose finir son évangile en disant « Je ne pense pas que le monde entier pût contenir les livres qu'il faudrait écrire. » Où sont les miracles des autres fondateurs, d'un Luther, les miracles de Mahomet? Où sont les miracles de nos athées? Où sont les miracles de Moïse, de Marx, de Karl Marx, etc.? Ils préfèrent plutôt nier le miracle pour que leurs partisans puissent ne pas se comparer aux disciples de Jésus-Christ. Mais soyons-nous très respectueux du miracle, parce que la vie chrétienne vit dans le miracle. En conclusion, l'incarnation, la vie de Jésus, la rédemption prouvent la divinité, l'histoire du salut est divin. Va commencer une autre période, hors de l'Église, pas de salut. Allez enseigner les nations, allez baptiser les nations. Mais avant de dire cela, il y a quelque chose qu'il faut souligner, parce que ça va être très important dans l'histoire, c'est au soir de la résurrection, quand notre Seigneur arrive donc ressuscité auprès des apôtres. Ils avaient donc perdu la foi. Eux qui avaient passé 3 ans avec notre Seigneur, quand on pense, quoi, quand Saint André, donc, pour la première fois, parce que tout le monde savait que les temps étaient arrivés. On avait fait même un recensement pour savoir quelle pouvait être la descendance de David. Le recensement est inspiré de Satan, pour savoir donc où étaient les descendants de David, puisqu'il y avait cette promesse. Et la deuxième chose, ils savaient que c'était d'une vierge. Alors ils ont vu la Vierge Marie enceinte, c'est pas elle. Il n'y avait que 4 personnes qui savaient qu'elle était donc complètement vierge, avant, pendant et après. Hein? Donc, il y avait donc sa cousine Élisabeth et son époux, il y avait Joseph et elle, ils étaient 4 à savoir qu'elle était donc la Vierge, la Vierge Immaculée. Bien, bon. Et alors, Satan savait que quand le Christ allait régner, hein, son règne à lui disparaissait. Lui, il était donc complètement maître du monde, hein, partout. Et il faut lire la vie du père Aubry, édition Saint-Rémy, vous trouvez ça, qui raconte comment il est arrivé en Chine, où il voyait la Chine, qu'il n'avait jamais connue, bien sûr, les apôtres, hein, occupée par Satan. Quand il a baptisé les gens changeaient de visage. Dans les jardins, se mettaient à pousser des fleurs qui étaient inconnues. Etc. La nature elle-même, les chiens qui avant lui mangeaient les mollets, venaient lui lécher dans les mains, dans les maisons de baptisés, etc. Donc, il y a tout cet ensemble. Et alors, donc, Satan savait que c'était la fin de son règne, puisque donc, il connaissait donc toute l'histoire des temps. Il ne connaissait pas les dates, mais il connaissait l'histoire. Hein. Et donc, quand notre Seigneur est arrivé, il savait que les temps. Il a même tenté au désert, pour savoir, c'est bien lui ou c'est pas lui. Il s'est dit, c'est pas lui. L'humilité de notre Seigneur qui se cache, etc., complètement, dans sa vie cachée, il est là. Mais c'est par Belzébuth que tu... etc. Ça va même plus loin. Jusqu'au dernier moment, il n'y a pas cru. Sauf quand il l'a vu, le jour de la Passion, il s'est dit, ça, c'est pas possible, c'est lui. Alors il fait le songe de la femme de Pilate, c'est les pères de l'Église qui enseignent tout ça, il fait le songe de la femme de Pilate pour arrêter, donc, le crucifiement de notre Seigneur. Bien. Et la femme de Pilate intervient auprès de Pilate, donc en disant « j'ai eu un songe, etc. » L'heure était venue de racheter le péché. Et donc va rentrer la lutte énorme entre donc le royaume, la terre qui appartenait à Satan, et les disciples du Christ, qui en 25 ans vont inonder tout le monde méditerranéen, vont faire chasser les démons. Les démons partaient des forêts, des temples, de partout, etc. Donc par la puissance des apôtres. Et va être la lutte continuelle, donc parce qu'ils sont 2 à vouloir régner, notre Seigneur Jésus-Christ et Satan. Et on va voir donc les étapes successives. Bien. Je vous conseille, bon, hier on a parlé de l'Apocalypse, je vous conseille de lire Holzhauser, bien, le vénérable Holzhauser, qui a fait donc une interprétation de l'Apocalypse et qui raconte l'histoire de l'humanité en 7 âges, 7 périodes qui correspondent aux 7 jours de la création, qui correspondent aux 7 jours du Saint-Esprit, qui correspondent aux 7 dons du Saint-Esprit, etc. Donc, et là, vous avez une explication extraordinaire, comme disait Jean Vaquier, tout est dans Holzhauser.
Bon, j'ai fait une petite brochure rassemblant pour notre époque ce qu'enseigne Holzhauser, quoi, donc sur la destruction de l'Église, etc. et tout, hein, et donc vous pourrez lire ça. Bien. Et alors, va se mettre en place la vérité socialisée. Bon, vous avez une vérité individuelle qui est attaquée par la triple concupiscence, et donc par la vertu individuelle vous permettra d'être un saint, ou sinon, si vous subissez la triple concupiscence, la damnation éternelle. Mais il y a un autre élément qui va favoriser ce salut des âmes, c'est la vérité socialisée. Avant de mériter cette vérité socialisée, vous aurez 3 siècles donc de persécution. Pourquoi faire 3 siècles de persécution ? C'est pour faire donc des chrétiens qui sont capables de combattre pour créer la vérité socialisée. Et la vérité socialisée se construit en France. Le père de tout cela, c'est Saint Remi. Saint Remi, qui a eu le plus long pontificat, 72 ans de pontificat, va passer 25 ans de prière dans la grotte qui est sous dans la cathédrale de Saint de Reims. Hein. Vous avez donc, on descend par les escaliers, ça a été muré bien sûr, et c'est là la grotte où pendant 25 ans il a prié pour savoir ce qu'il fallait faire et comment fallait faire. Ce qu'il fallait faire, il s'est dit, il faut un chef. La chose importante de toute la vie, c'est le gouvernant. Ce chef, il se dit, qui je vais prendre ? Il y avait des quantités de types personnes autour de lui, de chefs de bande, de chefs de guerre, de ceci, de cela. Il en a vu un qui était particulier, c'était Mérovée. Il a vu cette générosité, cet homme absolument remarquable, quoi, contre les uns, et il s'est dit, celui-là est de la race. Il voit son fils Clovis. Clovis était un type extraordinaire. Bien. Il s'est dit, on va essayer de faire quelque chose avec lui. À ce moment-là, il s'est dit, il faut qu'il y ait une chrétienne autour de lui. Et il fait un mariage entre une fille d'une délicatesse extraordinaire, Sainte Clotilde, la mère de tous les rois de France, et donc ce barbare gigantesque qui était Clovis, avec donc ses francs, etc., et ses guerriers qui étaient terribles, hein, etc. Mais la Clotilde avait été formée par les persécutions précédentes. Elle avait vécu donc la mort de tous ses parents, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, etc. Et devant des épreuves aussi terribles, elle n'avait pas fait de dépression nerveuse. Elle n'avait pas été abandonnée. Elle avait une foi chevillée au corps. Elle était une grande chrétienne. Elle était capable de convertir un barbare. Il se fait accompagner par Aurélien. Aurélien qui est un Gaulois. Vous savez tout ça, j'ai tous les livres de toutes ces choses-là. Ce n'est pas du baratin. Hein. Je ne fais que raconter ce que j'ai étudié. Bien. Et Aurélien, donc, est chargé donc, d'amener Clotilde à Clovis. Il tombe amoureux, complètement. Elle était très belle. Elle avait toutes les grâces de la vertu. Bien. Bon. Et alors, à ce moment-là, donc, vous connaissez l'histoire, le premier enfant meurt. Clovis lui fait un reproche terrible, surtout c'est un fils. Et le deuxième mourant. Alors là, Clotilde dit, allez, toutes les chrétiennes en prière. En prière, en prière, en prière, il est sauvé. Bien. Alors là, et alors arrive la guerre, donc la fameuse guerre de Tolbiac, parce que c'est là qu'il va y avoir la signature de Dieu. Clovis avait fait la guerre toute sa vie. Il savait qu'il prenait la ratatinée, il savait qu'il était fou. À ce moment-là, Aurélien, il commence à crier à ses dieux. Rien. Aurélien lui dit, dis donc, prie le dieu de Clotilde. Il lance son cri, Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire. Qu'est-ce qui se passe ? La chronique est précise. À ce moment-là, le chef ennemi meurt. Ça va nous servir de leçon pour après, vous allez comprendre. Le chef ennemi meurt et le premier lieutenant dit « Tous derrière moi !» Le second lieutenant dit « Non, tu ne m'as pas enquiquiné pendant 30 ans, c'est pas toi qui vas me commander. » Ils s'entretuent entre eux. Les chroniques le disent, ils s'entretuent entre eux. Et donc, ils gagnent la bataille. Bien. Le lendemain, à ce moment-là, il voit Saint Remi, hein, qui le met dans les mains de Saint Vaste, et il hésite. Il dit « Mais... » À partir du moment où le chef se convertit, tout le monde doit se convertir. Et ils disent que mes francs vont suivre. Mais les 3000 qui étaient là lui ont dit, on a vu, nous aussi on veut suivre le dieu de Remi. Et donc alors, catéchisme, catéchisme, catéchisme. Voilà comment se crée la civilisation, la vérité socialisée. Un chef enseigné le catéchisme. Allez enseigner et baptisez-les. Et le baptême donc de Noël 496. Et donc là, non seulement il est baptisé, mais il est sacré. Et nous allons voir l'importance du sacre
parce que c'est une liturgie extraordinaire. J'ai mis ici quelques brochures sur la liturgie du sacre, hein, bon, qui mérite d'être méditée, parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est ce qui va tuer Louis XVI. C'est ce qui tue Charles X. Charles X bidouille sur tous les cérémoniales du sacre pour plaire à la charte, pour plaire aux protestants, pour plaire aux républicains, pour plaire aux révolutionnaires, oubliant de plaire à Dieu. Et on change le cérémonial du sacre. Il y aura ce qui est lié au pouvoir du sacre, hein, le miracle des écrouelles des lendemains, hein, qui est la preuve que c'est le oint de Dieu, hein, etc. Mais il sera abandonné de Dieu parce qu'il a trop bidouillé, hein, donc dans tout, la soumission à la charte, qui est la chose la plus abominable, puisque le roi de France est le principe. Bon, alors donc nous avons vu et créé le chef, choisi par Dieu, appelé par le pouvoir spirituel, comme Samuel appelle Saul et David. C'est toujours le pouvoir spirituel qui appelle le pouvoir temporel. Mais, aussitôt après, va se former un conseil pour rendre la France chrétienne. 5 conciles d'Orléans. Le conseil du roi est formé avec ses conseillers et les évêques. L'amitié entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, ce que reprendra donc Léon XIII dans Immortale Dei. Bien. Et là, à ce moment-là, on commence à structurer et à organiser la société chrétienne. La première chose que lui demande Saint-Remy, évacuer tous les hérétiques, exterminer, c'est-à-dire mettre à l'extérieur, hein, donc les mettre en dehors de la France. On ne peut pas gouverner un pays s'il y a des hérétiques. Le péché le plus grave, c'est le péché contre la foi, c'est l'hérésie. C'est un péché public, c'est un péché qui a des conséquences sociales, hein, ce n'est pas un péché individuel. Hein. Bien. Et donc, à ce moment-là, donc, il fait 5 campagnes. Donc, alors, Saint-Remy lui donne un petit baricot. Ça devait être un alcool bien sympathique. Et il lui dit, tous les soirs, tous les chefs, vous boirez là-dessus. Et quand ça s'arrêtera, vous rentrez pour faire des petits Gaulois, des petits Francs, etc. Préparer les générations futures, quoi, etc. Et donc, en effet, l'histoire du baricot est racontée. Et en effet, donc, quand c'était fini, le baricot arrêté, il rentrait, etc. Mais il a donc dû faire plusieurs campagnes pour exterminer. Bien. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se fait une énorme organisation qui vont durer sur les générations, et donc qui sont l'élaboration de la cité chrétienne, celle dont Saint Pie X a dit, elle n'est pas inventée, elle existe. Bien, bon. Et cette société chrétienne, où est passé mon micro, là, le micro portable, parce que je vais être obligé de, voilà, d'écrire, de faire un petit dessin. Merci. Donc, nous avons le gouvernant. Je rappelle, choisi par Dieu. Nous avons son conseil, qui est tout petit, là, qui comprend à la fois des évêques, hein, et en même temps donc des laïcs, etc. Bien. Et après, en dessous de ça, nous avons une pyramide de commandement. Cette pyramide de commandement est toujours, toujours de l'ordre de 1 pour 1000. C'est donné par Taine, hein, dans l'histoire de la Révolution. C'est actuellement à peu près ce qui existe, hein, cette pyramide de commandement, parce que nous allons voir qu'ils vont recréer une pyramide de commandement. Et puis après, tout le reste, ce sont les gouvernés. Excusez-moi, je ne suis pas très doué en dessin. Ce sont les gouvernés. Et tous ces gens-là, gouvernés, en aucun cas ne font de la politique. Jusqu'en 1792, jamais en France on n'a fait de politique. Chacun ici. Donc, toute la structure va être montée, cette société chrétienne, pour le salut du plus grand nombre, pour la gloire de Dieu, et donc dans toutes les quantités de détails qui vont se mettre en place. Et tous les gens ici font leur devoir d'État, c'est tout. Ils font des petits Français, hein, catholiques, chrétiens, pour les préparer à faire leur salut éternel, etc. Tout est orienté vers Dieu. Alors, on va travailler, quoi. Donc, on va créer, avec l'inspiration de l'Esprit Saint, une société qui va vivre à partir du décalogue. Et plus que du décalogue, des béatitudes. Et donc, va se mettre en place le problème de l'éducation, les écoles, l'université, les séminaires, les écoles de chant, etc. Va se mettre en place la justice, vont se mettre en place les hôpitaux, vont se mettre en place la gendarmerie, les prisons, la discipline, vont se mettre en place la chevalerie, qui va donc créer donc un esprit de corps chrétien entre tous les combattants. Vont se mettre en place les institutions chrétiennes, le droit chrétien, les missions. Ah, et le rôle de la France est extraordinaire dans l'élan missionnaire.
dans l'élan missionnaire dans le monde entier au 19e siècle. L'énorme élan missionnaire, quoi, qui va se faire dans le monde entier, c'est français. Vont sortir de ces Français des quantités d'évêques. L'épiscopat missionnaire est absolument incomparable avec l'épiscopat français. Et c'est l'épiscopat de jeunes Français remarquables. Hein? L'épiscopat en France est bidouillé avec le gouvernement, hein? Où en général, donc, le nonce présente un saint, le gouvernement présente une fripouille, et on se met d'accord sur un crétin. Bon, c'est, la phrase n'est pas de moi. La phrase n'est pas de moi. Hein? Bien. Se met en place la vie morale individuelle, avec donc, bien sûr, quelque chose qui est unique à la religion chrétienne, c'est le sacrement de pénitence. C'est-à-dire, donc, lutter contre les défauts particuliers, lutter donc contre le péché, toutes les formes de péché, etc., travailler pour la vertu. C'est une révolution sociale colossale qui fait que Paris, avant 1789, avait 80 gendarmes pour assurer la police à Paris. Vous voyez, on en est aujourd'hui ? Il faut même des gendarmes de gendarmes pour que les choses fonctionnent à peu près. Se met en place le problème de l'argent, qui ne appartient qu'au roi, parce qu'ils savent ce que c'est que le problème d'argent. L'argent mériterait une conférence à elle seule. Là, il faut appeler Philippe Boursier de Carbon, parce que c'est le spécialiste sur la question, etc. Se met en place le problème de la diplomatie, réservée au roi. C'est le roi qui s'occupe donc de tous les liens avec Rome et avec les autres nations. Se met en place le problème du commerce, de la nourriture, des lieux de culte, le problème de la prière publique. Il n'y avait pas d'église avant, hein, tout d'un coup on peut publiquement prier partout, et c'est un devoir social. Et on crée ces énormes cathédrales, donc notre ami nous a parlé, quoi, etc. Mais c'est extraordinaire ces cathédrales. C'est inspiré, c'est un miracle. Mais où trouver ces architectes? Où trouver tous ces gens capables de créer ces choses-là? Les mathématiciens qui vont mettre en place cette... Mais c'est extraordinaire, quoi. Eh oui. Eh bien, voilà le travail de la France. C'est la France qui met ça en place. Et à chaque génération, le bon Dieu, donc, donne son accord avec ce ouin, cet homme qui est le fils aîné, hein, avec le miracle des écrouelles. Le miracle des écrouelles est un problème clé. Quand Charles VII sera sacré, le lendemain, il guérira des écrouelles. Le lendemain. Et toute la France sait que c'est le oint de Dieu. Et toute la France sait qu'il a mérité le royaume. Alors, on vivait, quoi, dans cette ambiance absolument extraordinaire, quoi, donc de vie chrétienne, privée et publique. Et qu'on a perdu. Moi, j'ai connu, j'ai 70 ans, j'ai connu à Poitiers, dans mon Poitiers, mais je suis d'une famille pauvre, hein, où nous étions 10 enfants, hein, et donc on savait ce qu'était le pain quotidien, on savait ce qu'était la providence, hein. Nous étions très heureux, on chantait tout le temps chez nous, hein, etc. On ne vivait que pour la foi. Nos fêtes, c'était le dimanche, la procession de la fête de Dieu, les communions, etc., les communions solennelles, tout ça, etc. C'était l'objet de nos discussions. On n'avait pas de bibliothèque, on n'avait pas de télé, pas d'internet, etc. Et tout. J'ai vécu l'Église en ordre. Hein. Les jeunes aujourd'hui ne peuvent même pas comprendre ce que c'est, ce que nous avons vécu. Les anciens le savent ici. Hein. Voilà. Alors, pourquoi, un détail important, pourquoi Saint-Remy a-t-il choisi Clovis? Parce que Clovis avait une qualité unique qu'il a transmise à toute la France. Il était franc, il ne mentait pas. Et les Français ne mentent pas. Les Français apprennent sur les genoux de leur mère, enfin les Français catholiques maintenant, parlons plus de tout ça, mais apprenaient sur les genoux de leur mère qu'on ne mentait jamais. Un enfant, sa mère le regardait dans les yeux, il ne mentait pas. Il ne mentait jamais. Et on ne peut faire ça qu'avec des gens, on peut créer une civilisation chrétienne qu'avec des gens qui ne mentent pas. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout le monde ment. Tout le monde ment. Tous nos ennemis, etc. Mais moi, quand je vois, quand on a sorti, quoi, donc le message de Fatima, mais c'était un mensonge, c'était évident. Hein? Comment, mais pourquoi mentir? Ça sert à quoi? Je vois l'autre jour un jeune abbé qui inaugurait sa chapelle et il dit, il y avait, bon, tout jeune quand même, il y avait 300 personnes, il y avait 150 personnes. Pourquoi dit-il 300? Ça sert à quoi? Mais on s'en fout qu'il y en a 150 ou 300. Mais il a menti.
parler avec l'intention de tromper. Ne mentez jamais. Vous pouvez faire une erreur. Si cette erreur est rectifiée, dans la minute, vous devez la reprendre. Quelqu'un vous a dit c'est une erreur. Dans la minute, vous devez la reprendre. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas, parce que nous sommes dans le mensonge. Nous avons des hommes qui mentent. Et le bon Dieu ne reconstruira pas avec des gens qui mentent. Le bon Dieu, je crois au règne du Sacré-Cœur qui va venir après les événements que nous vivons, ce sera avec des grands chrétiens. Pas du bidouillage, des machins sans arrêt, etc. etc. Bien. Bon. Et donc Clovis, c'est des leçons à tirer. Bon. Tout de suite, on fait baptiser parce que... Alors... Un détail que j'ai encore oublié, parce que ça rejoint celui que je vous ai parlé le soir de la résurrection, quand notre Seigneur est arrivé, il a dit « La paix soit avec vous ». Le problème de la paix est ce que nous recherchons tous. La paix dans les ménages, la paix dans les familles, la paix dans la nation. C'est la chose donc qui est le plus difficile à tenir, quoi, etc. Et la paix n'a qu'une seule clé, Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Et le soir de la résurrection, la paix soit avec vous. Et dans la seconde, ils sont tous en paix. Dans la seconde, ils étaient là, mais mettez-vous, réfléchissez une minute. Ces apôtres qui avaient donc apostasié hier sont devant leur Dieu. C'est-à-dire, mais j'étais un lâche, etc. Lui qui m'a aimé depuis 3 ans sans arrêt, qui m'a choisi entre 1000. Quelle devait être leur... La paix soit avec vous. Il leur pardonne. Et il dit, la paix soit avec vous. Même chose la veille du sacre de Clovis. Saint Remi est en train de faire donc le dernier cours de catéchisme, etc. Et tout d'un coup, on sent des odeurs absolument, des parfums extraordinaires, et on entend une voix, « Restez, la paix soit avec vous, restez dans ma dilection, restez dans mon amour. » Et donc, tout le monde a su que c'était Dieu qui intervenait directement, parce que là se crée le pouvoir temporel, et le pouvoir temporel est fondé sur Dieu. Restez dans ma dilection. Et chaque fois que donc les rois s'écarteront de la paix avec Jésus-Christ, ils seront châtiés. La cité fonctionne comme ça. Et Jeanne, quand elle va arriver, va amener la paix du Christ. Mais nous allons parler de Jeanne, parce que là aussi, il y a encore des leçons à tirer pour notre société et pour ce qui a été démoli et qui sera reconstruit. Nous en avons Oh là là, j'en ai pas fait la moitié. Bon, allez. Allez, on passe. Bon, allez. Ça, je vous ai dit, personne ne fait de politique. Voilà, devoir d'État terminé. Bien. Bon, la doctrine sociale, propriété privée, corps intermédiaire, principe de subsidiarité, hiérarchie, œuvre de miséricorde, promotion des bons, etc., etc. Mais avant tout, essentiellement, la chose essentielle, donc, de la vérité socialisée, c'est un chef, un gouvernant. Bon, allez. Alors, l'adversaire va essayer à tout moment donc de détruire tout cela, parce qu'il veut régner. Satan veut régner. Bien. Et il veut régner pour être adoré pour lui-même. C'est sa vengeance, quoi, etc. Et vous connaissez, oui, mais je. Bon, 2 minutes, quoi. La fameuse. Quand Léon XIII, à la sortie de la messe, avait entendu, donc, de chaque côté de l'autel, etc. Bon, c'est moi qui ai retrouvé ce document. Je suis allé en parler au cardinal Stickler, quoi, qui était responsable de la bibliothèque vaticane. Il m'a dit, on connaît très, très bien le document, etc. et tout. Bon, et donc, j'ai fait diffuser après et traduire. Et donc, tout ce travail extraordinaire, donc, de Léon XIII, les prières après la Sainte Messe qu'on a supprimées avec Vatican II, etc., etc. Et donc, Satan va essayer de détruire tout cela. Bien. De nombreuses fois, mais le roi de France, d'abord, il y a les miracles continuels des naissances royales, où on mettait la France en prière, hop, et il y avait un héritier. Bon, la famille royale est bourrée de saints. Ça mériterait un jour de faire un inventaire dans la liste des bolandistes. J'ai lu une année, tous les jours, les bolandistes, les petits bolandistes. Bon, les petits bolandistes, jour par jour, 30 à 50 pages par jour, c'est sans arrêt qu'on a des saints, des moines, des saisies, descendants de la famille de France, etc. Bien. Et donc, et avec des gens qui avaient une foi terrible. Il n'y a pas que Saint-Louis, tous avaient une foi extraordinaire, Même Louis XV. À travers sa perversion, à des moments, des passages, des écrits absolument extraordinaires, sur le problème, ils avaient vraiment profondément la foi. Et donc, Satan va essayer de détruire ça. Alors, pour détruire ça, il va essayer... Il a 2 manières. C'est toujours au niveau de l'art du gouvernant qu'il faut renverser. Et donc, soit il le fait par l'extérieur,
mais là, faut-il encore prouver, soit il le fait par l'intérieur. Lui, il a l'avantage, c'est que le loup peut se transformer en agneau. Et donc, de nombreuses fois, en effet, le rôle du roi, aussi, j'ai oublié de vous préciser, par le sacre, c'est les mêmes responsabilités que l'évêque, c'est-à-dire de choisir les hommes, de définir les notions de bien et de mal et de vrai et de faux, dans son domaine, quel domaine temporel. J'aurais dû vous parler donc de la fameuse définition entre les deux pouvoirs du pape Gélase. Bon, on n'a pas le temps. Bien. Et donc, ici, il va essayer de remonter. Et le roi va donc toujours choisir les hommes. Dans la société chrétienne, donc, le moteur de ces deux pyramides, c'est la vertu. C'est le mérite, etc. Bien. Et un jour, il va réussir. Ils vont monter, monter, monter. Et ils vont réussir à couper la tête. Bon, c'est le 21 janvier 1792. Et à ce moment-là, 93 ans. Et à ce moment-là, donc, la pyramide est renversée. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi va aussi, parce que c'est mécanique, c'est pas simplement, pardon, comme ça, d'accord, c'est mécanique. Bon, l'ennemi est obligé de se soumettre aux lois de Dieu. La société fonctionne avec donc deux pyramides, la pyramide de commandement et la pyramide de gouverner. Dans la pyramide de gouverner, quand l'ennemi va prendre le pouvoir, on ne fait jamais de politique. En France, 999 pour 1000 ne font jamais de politique. Ils en parlent. Ils n'en font jamais. On vote tous les 4 ans, tous les 5 ans. On vote pour des gens qu'on vous choisit. Parce qu'à ce moment-là, donc, cette pyramide de commandement de 1 pour 1000 va être verrouillée par un passage obligatoire, l'initiation maçonnique. Pour être dans ces pyramides de commandement, vous avez donc toute la magistrature suprême, vous avez toute la police suprême, vous avez toute la gendarmerie suprême, les armées suprêmes, etc., la finance, le commerce, etc., etc., etc. Pour entrer là-dedans, vous êtes très éprouvé. On vous fait même passer des diplômes, où là, ces diplômes sont faits non pas pour avoir des connaissances, parce qu'il y a des diplômes, bien sûr, tous les techniciens apprennent donc des choses qui leur serviront, mais il y a des tas de diplômes où on apprend des choses qui ne servent à rien, comme l'ENA. Bien. Et là, ici, on veut simplement des hommes qui sont capables d'obéir et de faire ce qu'on leur dira. Bon, vous connaissez l'histoire, quand on rentre à l'ENA, on fait passer un concours terrible, combien font 2 plus 2 ? Première année, on vous apprend, ici, 2 plus 2, ça fait 3. Un certain nombre de types tombent. La troisième année, on fait 2 plus 2, ça fait 5. Et la quatrième année, c'est là où les types font la grande carrière, avant d'entrer, ils frappent, ici, combien ça fait 2 plus 2 ? Ensuite, celui-là est capable d'être un supérieur. Bon, etc. Et bon, c'est une parodie, mais qui est exactement ça. Ils sont prêts à défendre n'importe quelle vérité, n'importe quoi, de dire n'importe quoi. On le voit bien avec tous les gens qui interviennent. Et donc, ils vont verrouiller par quelque chose qui n'est pas innocent. L'initiation maçonnique, c'est un sacramental luciférien. Il faut lire le livre de Niccolo, l'initiation maçonnique. Niccolo était le directeur de la revue internationale des sociétés secrètes de Mgr Juin. Il a écrit donc un livre extraordinaire sur l'initiation maçonnique. Et l'initiation maçonnique marque la conscience. Et la personne rentre donc dans le plan de Dieu, dans le plan de Satan, pardon, dans le camp de Satan, etc. Et il est tenu. Et tous réagissent pareil, fonctionnent pareil. Alors après, certains rentreront au 18e degré, à ce moment-là, c'est une obsession diabolique, et 33e degré, c'est la possession, pratiquement. Et ça fonctionne donc à ce moment-là, avec des crimes rituels, avec un certain nombre de choses, parce que c'est les sacramentels qui demandent. Satan est Gog et Magog, rusé, menteur et tueur, toujours en deux temps, deux phases, etc. Et donc, ici, ils vont prendre tout le pouvoir, mais ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Ils vont mettre un nuage à la place du gouvernant. Et on ne sait pas qui est le gouvernant. Et donc, quand Clovis bataille contre l'ennemi avec le chef connu, Nous pouvons batailler, on ne sait pas qui est le chef. La personne comme François Hollande, qui est soi-disant président de la République, ce type-là est aux ordres. Il est choisi entre 10. Il suffit de donner un peu plus de finances à l'un et à l'autre pour faire passer qui on veut, etc. Et ce type-là est aux ordres. Les supérieurs inconnus. Il désobéit, il est viré tout de suite. Bon, les supérieurs inconnus, c'est quand même la banque Rothschild, donc on connaît tout ça, etc. Donc là-dessus, on a énormément de documents pour savoir, pour bien préciser comment les choses se mettent en place. Bien. Et donc, quand cette pyramide va être inversée, où on va faire croire aux gouvernés qu'ils deviennent gouvernants, c'est ce qu'on vous raconte, c'est vous avez des élus pour présenter ce que vous voulez faire, parce que tout de suite, ils vont transformer
ici en partie, P-A-R-T-I-E-S, tous les gouvernés vont être transformés en partie, et ils vont fabriquer pour chacune de ces parties un parti. Le parti UMP, socialiste, etc., etc. Ce parti est à l'initiative d'en haut. L'initiative ne vient pas de la base. Il n'existe que s'il y a l'accord d'en haut. Bien. Et donc, c'est ce parti qui va présenter les candidats aux élections. Ce n'est pas vous qui choisissez les candidats. C'est le parti qui choisit les candidats. Et donc, on devrait parler de particratie. Hein? Et donc, et dans le parti, qu'est-ce qui choisit les candidats? Le financier. Le financier qui dit celui-là j'en veux, celui-là j'en veux pas, etc. Et s'il n'obéit pas, et si le député n'obéit pas, la fois suivante, il n'a pas d'investiture. C'est donc tout un fonctionnement de cinéma, ça n'a aucun pouvoir. Ça coûte, je ne sais pas, un pour mille du budget de la nation, hein, tous ces députés, tout ce fonctionnement, tout ça. Alors la télévision en vie, etc. C'est pour donc donner l'impression. Mais ça n'existe pas. On en parle. Le vrai pouvoir est caché, lui, il ne bouge pas. Le vrai pouvoir, c'est ce qu'il fait. Hein, il tient, lui, les budgets. Hein, personne à l'Assemblée nationale est capable de comprendre le budget. Ils sont 4 ou 5. C'est reporté d'année en année, etc. On rajoute un... Bon, on va construire une bibliothèque pour faire plaisir à Mitterrand, etc., etc. Bien, mais tout le reste, ce sont des supérieurs inconnus qui décident tout. Ces gens-là ne décident même pas des lois. Les lois sont décidées dans des commissions. Et ces commissions, on leur dit qu'il faut obéir, etc. Donc c'est tout un système politique de mensonges qui n'a qu'un but, la damnation du plus grand nombre. Qui n'a qu'un but, c'est donc de génération en génération à faire perdre les libertés, et qui n'a qu'un but donc de détruire tout la vérité socialisée pour mettre en place l'erreur socialisée. Et avec un but final, une nouvelle religion, une république universelle pour l'adoration de Satan. C'est pas encore fini, on n'est pas à la fin du monde. Il y a encore des tas de choses qui vont se passer. Hein. Bon, ils essayent donc de mettre le monde entier en province. En Europe, c'est fait, en Amérique du Nord, c'est fait, etc. La guerre du Golfe avait un but très précis, c'était de rassembler donc tous les gens autour donc de cette guerre et donc de recomposer donc tout l'Extrême-Orient qui leur échappe de quelque peu. Poutine a arrêté toute l'affaire en disant, etc. Mais là, vous voyez, je serais obligé de faire encore 10 minutes. Oh là là. Bon, alors, bien. Oui. Bon, je vais très court, quoi. Tout ça mérite... Je fais à peu près une heure sur cette pyramide, hein, sans problème. Hein. Il y a des tas de choses à dire, quoi. Bien. Mais donc, là, vous comprenez que, entre ce que l'on voit, ce qu'on vous fait voir, et la réalité, ça, c'est la réalité. Donc, et le seul problème, c'est un gouvernant. Et au jour d'aujourd'hui, vous pourrez vous changer en lion, vous ne pouvez pas monter la pyramide. Parce qu'il y a des sas, des verrous de sécurité à chaque étage. Bon. Et donc, essayer de reprendre. Le problème, c'est de changer le gouvernant. C'est même pas changer la pyramide. Il faut arriver au gouvernant. Et on ne le connaît pas. Il est impossible de remonter. Vous pouvez faire toutes les manifestations que vous voulez. Même à 999 pour 1000. Les types, ils ont tous les pouvoirs. Hein, ils vous bloquent les distributeurs de monnaie. Au bout de 8 jours, comment ça fonctionne? C'est fini. Ils ont fait des tests. Hein. Ils ont fait des grèves spéciales pour faire des tests. Ils vous bloquent tout le système de transport routier. Au bout de 15 jours, comment ça se passe? Paris a 15 jours de nourriture. Au bout de 3 semaines, comment on fait? On est en train de s'entretuer pour manger. Etc, etc. Alors donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est de changer le gouvernant. Eh bien, il n'y a qu'une seule solution, elle n'est que divine. Il faut être complètement débile pour croire autre chose. C'est impossible. Et Dieu, qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution française? Hein? Encore un phénomène surnaturel. L'histoire est divine. Dieu a été mis hors la loi. La Révolution française, ce n'est pas passer d'une monarchie en une république, c'est passer dans une monarchie chrétienne, d'une société chrétienne, en une société antichrétienne, pour démolir la société chrétienne. Parce que nos pères n'ont pas voulu donc faire, etc., les promesses du Sacré-Cœur. Le bon Dieu attend 100 ans. Et tout. Quand il dit de mettre les drapeaux du Sacré-Cœur sur le drapeau français, c'est le drapeau du roi. Hein? Alors, j'ai pas eu le temps de parler de Jeanne d'Arc, j'en dis 2 minutes parce que c'est trop important. Jeanne d'Arc, elle n'entend pas des voix, elle est formée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord un conseil au ciel, puisqu'elle dit à la demande de la Vierge Marie, à la demande de Saint-Louis de Charlemagne, je viens, etc. Et tout. Ça veut dire qu'ils se sont réunis au ciel. Et puis le bon Dieu a dit, je vais agir.
Bien. Pourquoi ? Parce qu'il est tenu par le pacte de Reims. Le pacte de Reims, où il a été fidèle 1300 ans, etc. Et là, ici, il y a un problème terrible. Il y a la guerre partout. Et vous avez cinq parties. Les Allemands, les Anglais, les Bourguignons, les partisans de Charles VI, les partisans de Charles VII, qui sont... Il y a Yolande d'Anjou, et puis 3 ou 4 personnes autour. Mais Dieu sait, il va confier à une jeune fille un secret que lui seul sait. Il va lui dire, tu vas lui dire. Tu es le fils de ton père. Et donc, fils de ton père, tu as droit au sacre. Et pourquoi elle est sacrée ? Parce que quand il est sacré, il est protégé dans les 7 parties du corps, qui fait qu'il est protégé des puissances visibles et invisibles, y compris des jeteurs de sorts. Bien. Et donc, aucun roi de France n'est mort à la guerre. Le sacre a son effet. Et donc, elle dit, au sacre, au sacre. Hein, elle obtient, donc, après la victoire de Pathé, quoi, qui est plus importante que la victoire donc, d'Orléans, elle obtient donc quelque chose d'extraordinaire au lendemain. Elle l'avait demandé le 7 mars, et le 7 mars, Charles n'avait pas répondu. Au lendemain de Pathé, le 21 juin 1429, à 16h, à Saint-Benoît-sur-Loire, c'est l'objet de notre livre, hein, avec mon épouse, sur la vraie mission de Sainte-Jeanne d'Arc, Jésus-Christ, roi de France, elle demande le royaume. Le roi stupéfait lui dit, je te donne tout mon royaume. Et Jeanne, à ce moment-là, parle en reine, elle est reine de France, parle en reine et elle dit, je donne le royaume à Jésus-Christ. Et quelques instants après, elle dit notaire, et je rends le royaume à Charles. Ce problème de la triple donation est essentiel. C'est Dieu qui choisit le roi. En France, le gouvernant est choisi par Dieu. Tout autre gouvernant sera choisi par qui ? Par les loges, par les puissances d'argent. Ça ne sera pas la solution, jamais, en aucun cas. Si le bon Dieu est intervenu en 1429, hein, bien, il réinterviendra aujourd'hui, demain. Bon. Et Jeanne va aller de victoire en victoire, jusqu'au sacre à Reims, à Troyes. Les conseillers de Charles X ont fait demi-tour, on n'aura jamais, on pourra jamais rentrer de Troyes. Jeanne n'est pas au conseil, il y a quelqu'un qui lui dit, c'est au premier étage, il dit, monte vite là-haut, il y a des choses qui se passent. Elle monte au premier étage, il dit, qu'est-ce qui se passe ? Comment ? Je vous apporte les clés sous 48 heures. Le soir même, la nuit entière, hein, elle fait mettre des fagots, hein, tout autour de la ville de Troyes. Elle leur dit, demain, je mets le feu à la ville de Troyes si vous ne m'apportez pas les clés. Le lendemain matin, les clés étaient là. Elle avait été formée par Saint-Michel. C'est une chef de guerre. C'est pas, bon, alors... Non, elle n'est ni capitaine, ni lieutenant. Elle est généralissime en chef dans la minute où elle arrive. Elle s'impose sans discussion au conseil militaire. Elle s'impose au conseil du roi. Elle donne les conseils du roi. Je viens de découvrir il y a 15 jours quoi, tout un article du Père Hérol sur donc, l'influence de Jeanne d'Arc sur la ré-restauration de la France dans tous ses détails. Une merveille, je vais le sentir, etc. Quoi. Bien, et tout. Et donc, ce que Dieu a fait en 1429, il l'a promis de le refaire. Et donc, soyons des fidèles de Dieu. N'allons pas n'importe où, etc. La seule chose que nous pouvons faire maintenant, donc, Dieu est là. Il va faire une intervention. Alors, mettons notre guitoune en dehors de la pyramide, parce que tout va s'effondrer. Tout va s'effondrer. Et donc, notre pyramide, notre petite guitoune, notre petite tente, on prie vers Dieu, sans arrêt. Et mon Dieu, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le règne du Sacré-Cœur. Relisez le dernier chapitre du cardinal Pie dans le livre du Théotime de Saint-Just. La restauration de la France. Tout ce que je vous raconte, tout ça, je l'ai pris dans les Hérol, dans le cardinal Pie, dans Monseigneur de Ségur, dans Monseigneur Gaume, dans le Père Hérol, dans Don Guéranger, à des pages terribles dans la liturgique, sur la vocation, la mission de la France et tout ça. Ah, Saint Pilice va plus loin, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Etc. Allez, on arrive à la fin. Enfin oui, toutes les manières pour détruire la révolution, tout ça, il y avait des tas de choses à dire. Bon, les premiers, voilà, etc. Eh bien, on va finir là-dessus. Voilà. Nous allons vivre maintenant des périodes de châtiment de justice de Dieu. Quand la justice de Dieu passe, comme au déluge, comme à Sodome et Gomorre, comme le soir de la Passion, comme en 70 à Jérusalem, on ne se met pas entre les gouttes. On ne se met pas entre les combats. Les mauvais vont s'entretuer entre eux. Voulez-vous bagarrer ? Attendez. Un jour, il faudra bagarrer pour le règne du Sacré-Cœur. Et ça sera sportif, n'ayez pas peur. Vous aurez votre lot de bagarre. Hein, les Gaulois sont des bagarreurs. Hein, César le disait déjà, etc. Attendez, attendez. Allez, on est en train de vous faire des provocations partout. J'en ai cité 2-3 fois à table, là, de certaines choses qui paraissent complètement anormales, n'y allez pas.
Est-ce que j'en dis une minute quelque chose? C'est une opinion personnelle. J'ai beaucoup d'amis, j'ai un certain nombre d'amis, parce que tout ça, c'est un travail colossal. Hein, de lecture, de recherche, de découverte, de livres, etc., de discussions avec des tas d'amis et tout. Et cet été, je réunissais mes proches, mes amis, on était 70, on a fait 50 heures de conférences, et je leur disais une chose, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète. L'année dernière, au mois d'août, il y a eu donc à Avignon donc ce scandale terrible quoi, donc, d'un Christ dans la pisse, hein, etc. La personne a été condamnée à 400 000 euros d'amende. Bon, c'est le frère de notre ami Triomphe qui est là, qui était l'avocat, et qui donc fait l'appel hein, donc, de cette affaire. C'est-à-dire qu'on a affaire à des fous furieux en face. Au mois de février, ça a été le théâtre parisien. Bon, il y a une centaine de jeunes qui ont été condamnés à 38 000 euros, etc., avec une violence, faut voir, etc. Au mois de mai, ça a été terrible. Plus d'un millier de jeunes, c'est pas fini. Il y en a qui a fait un mois et demi de prison. On a affaire à des fous furieux en face. Puis vous avez un type qui est toujours là présent. Dans notre troupe, qui est toujours là en première ligne. Il a juste eu droit une seule fois à un contrôle d'identité. Et ce type-là est toujours en première ligne. Monsieur Escada de Civitas. Nous avons, nous, déjà découvert un certain nombre de choses sur ce qu'il a fait en Belgique. Mais ce type-là, c'est un provocateur. Ce type-là, il n'a jamais rien obtenu. Il n'obtiendra jamais rien. C'est par ici que ça se passe. C'est pas dans la rue. C'est pas dans les manifestations, etc. Tout ça, mais quand on connaît la puissance de la police, quand on est, mais ce type-là devrait être en tôle s'il était vraiment de notre camp depuis longtemps. C'est lui le premier qui devrait être en tôle. Juste un contrôle. Alors faites attention aux provocations. Ouvrez les yeux. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous savons comment les choses fonctionnent. Tout est tenu par l'ennemi. Soyons du camp de Dieu. Il n'y a qu'un seul camp. Il veut régner sur la France et par la France sur le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monseigneur de la Suze, c'est le cardinal Pie, c'est Saint Pie X. Bien. Nous allons vivre les périodes de châtiment. L'Église éclipsée va revenir, car une éclipse a une fin. Le Christ, roi de France, ne peut pas nous abandonner. Prions chaque jour le Christ, roi de France, parce que Dieu est amour. Et mon Dieu, je vous aime. Voilà. Bon, il faut une journée pour parler de tout ça, quoi. Il y a certainement un tas de questions, mais... Vous nous auriez tué avec une telle densité de choses. En tout cas, merci pour ce feu d'artifice. Que je pense que maintenant nous avons tous besoin dans les prochains temps de digérer ce qui a été reçu. Ce moment de colloque est quand même un moment très, très dense, très substantiel. Et maintenant il faut, comme le lièvre, n'est-ce pas, ruminer, reprendre tout cela. Et je pense que nous avons beaucoup de chance d'obtenir ces apports qui nous ont été donnés depuis hier, et que déjà quelque chose de ce que vous nous promettez, vous nous annoncez, se réalise. En petit, dans l'invisible, nous sommes peu de choses dans ce grand ensemble, mais le seul fait qu'il y ait des mots de vérité, de la recherche, de la connaissance, loin des sentiers battus et de toute la pente suivie partout, déjà, cela est un signe. Continuons ainsi. Et Dominique va sûrement dire quelques mots. Merci une fois de plus encore pour nous donner ces occasions. Merci aussi à ceux qui travaillent pour que ce soit possible. À tous les efforts, à tous les dévouements, à toutes les aides techniques et humaines. Et merci à vous qui avez la patience d'écouter si longtemps, qui avait fait l'effort de venir, qui nous encourage à continuer. C'est bien. Je crois que vous me remerciez une dernière. Les obligations de l'horaire demandent de me tirer assez fort, assez vite, et je crois qu'au fond, cette histoire est bien. Il n'y a pas de questions à poser.
si l'histoire est divine, il faut faire la volonté de Dieu et tout est là. Donc, au risque de déplaire aux conférenciers, enfin, je pense que nous allons en venir à la clôture de ces journées. Mais avant, je vais quand même vous faire quelques annonces et demander à Thomas Seller de vous donner une brève information sur le programme, sur ce qu'il a fait depuis un an. Parce que, bien sûr, il faut, politiquement, historiquement, il faut s'occuper du gouvernant. Tout est là. Mais il faut aussi que les gouvernés fassent leur devoir d'État. Et pour qu'ils fassent leur devoir d'État, il faut qu'ils aient des convictions. La base de ces convictions, c'est effectivement qu'ils soient convaincus de la véracité de l'Écriture. Comme dit saint Thomas, et je disais hier, si peu que ce soit qu'on retire à l'autorité de l'Écriture, il n'y a plus rien de ferme dans notre foi. Donc, nous pouvons, nous ne posons pas de questions sur le plan de Dieu, mais nous avons à agir, et nous avons, en tant que gouvernés, à, justement, pour faire notre devoir d'État, avoir des convictions. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est que, bien que la période soit critique, bien que les médias soient tenus par l'adversaire, eh bien, l'apostolat est toujours possible. Parce que les âmes se conquièrent une par une. Et le travail que fait Thomas Seller avec Hugh Owen, qui est un correspondant américain, un petit peu l'équivalent du CEP, Mutatis Mutandis, aux États-Unis,